Bonsoir, bienvenue sur OTV. La pétanque est une discipline sûrement la plus pratiquée à l'île de la Réunion. Beaucoup de non-licenciés lors des pique-niques du week-end. Ce soir, avec l'équipe de Haut-Sport, on est venu à la rencontre d'un club à l'Ermitage-les-Bains. On parlera également d'un grand tournoi de pétanque qui va se dérouler fin novembre, ici même à l'Ermitage-les-Bains. Christelle, d'abord, qui s'entraîne ici le soir sur le site de l'Ermitage? Alors, sur le site de l'Ermitage, il y a les novices, comme ces messieurs dames qui sont derrière, les pétanque loisirs, mais aussi il y a les licenciés qui sont. Il y a deux clubs sur ce terrain. Il y a le club Boulis Lagon, qui est présidé par M. Domitain Herbert, qui est aussi un sponsor, qui donne souvent un coup de main à notre club. Et le club Boulis Récif Corallien, dont je suis le président. Il y a aussi la pétanque, la provençale, pétanque provençale, qui se trouve déjà au fond là. L'entraînement, c'est le mercredi, vous êtes tombés bien là. Et ils s'entraînent là-dessus tous les mercredis, quoi. La provençale, c'est-à-dire qu'on joue à 15 et 20 mètres. Pour pointer, on se met sur un pied, ouais. Et pour tirer, on tire trois pas. On fait trois pas pour tirer. D'accord. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas le même jeu, quoi. Tu joues des doublettes, des triplettes. Doublettes, triplettes, voilà. Ouais. Voilà. La discipline la plus pratiquée le week-end en loisir, c'est la pétanque. Pour l'instant, je dis bien. On est d'accord. Je dis bien, pour l'instant. Dans tous les pique-niques, pétanque. À un moment donné, on va jouer pétanque, la pétanque. Pétanque. Les femmes vont. Pétanque. Ils vont discuter, ils vont à la plage avec marmaille. Et les hommes? Les hommes, c'est la pétanque. Non, c'est la pétanque. Ok. C'est la pétanque. Ça a toujours été la pétanque. Mais là, comme je vous dis, petit à petit, on s'y met après en salle. Voilà, petit à petit. Et on rentre dans les clubs. Et on rentre dans les clubs. Voilà. Il y a aussi un super grand tournoi qui arrive. Ah oui, c'est le deuxième international de la ville de Saint-Paul. Donc là, le gros tournoi se prépare. On est en train de préparer des invitations. Des équipes africaines, françaises, Mayotte. Mayotte m'a garanti qu'ils allaient venir et tout ça. Donc Maurice et Madagascar. Ah, parce qu'il faut savoir que les plus grands joueurs de pétanque de la zone, même en Europe, même dans le monde, sont des malgaches. Oui, bien, ils étaient champions. Ils viennent malheureusement de perdre leur titre de champion du monde, mais ça reste quand même des équipes à battre, parce que c'est pas aussi facile de les battre. Ils sont craints de par le monde, voilà. Un tournoi, on n'organise pas seul. Il y a du monde autour là, qui t'aide. Oui, il y a surtout les licenciés du club qui donnent à leur manière le petit coup de main. Le libre service d'à côté, Wilson, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi aussi. Il faut dire ce qu'il est, qui tient vraiment à donner un petit coup de main comme il peut. C'est pas grand-chose, mais il nous a fait nos t-shirts cette année. Donc j'espère qu'il va continuer, bien sûr. Ouais. Et voilà, les bars du coin, monsieur le président du club Boulis Lagon, qui n'est autre que monsieur Herbert, qui a son propre bar, qui nous donne un coup de main à sa manière sur les tournois. Et je remercie tout ce monde-là, bien sûr. Voilà. Fabienne, les femmes ont leur place parmi les joueurs de pétanque? Bien sûr, parmi même les meilleurs en général en France, elles sont quand même championnes du monde. Donc elles participent à tous les championnats du monde et tout. À La Réunion, il y a vraiment du très très haut niveau. Tu as commencé jeune? Oui, à 17 ans. J'en ai 43, donc oui. Comment expliquer cette ambiance qui règne tous les soirs ici sur le terrain de l'Ermitage? Sur le terrain de l'Ermitage, c'est vraiment... après le boulot, il faut se décontracter. Donc il y en a qui vont au bar, il y en a qui jouent au billard, au foot, et nous, on joue à la pétanque. Voilà, donc c'est des super rencontres. Un grand tournoi qui arrive? Oui, bientôt, oui, le 23, 24, 25 novembre, avec le président Jean-Christel Pavot sur l'Ermitage. Donc je participe activement pour la mise en place. Donc je pense que ça va être un très, très beau concours. Aussi bien relevé pour les féminines que pour les hommes, et avec les championnats du monde, Mayotte, Maurice et Métropole. Savoir mesurer, il ne faut pas se tromper surtout. Ah bah ça sent se faire engueuler par les adversaires, c'est sûr. Ah là là, pour pas grand chose des fois. Monsieur Racine, on se bat. Avant tu mesurais comment avec Timonceau de bois, non avant? Non, la veine tisseuse, un petit bec, il râle doucement, il y a ci, d'ici. Jamais pas le Timonceau de bois depuis longtemps, même. Racine, depuis longtemps, il joue la pétanque dans le coin là? Nous avons 35 ans. 35 ans, je joue au boule ici. Toutes les bonnes époques. Nous dépendons de tout le nom, toutes. Ouais. Mais toutes les la boule ici, toutes de Montillem ici. Les gens qui perdent, ça va à la mer, ça baigne, après rentre, c'est lui. Même si vous ne jouez plus la compétition, oui. Vous ne faites plus de compétition, mais vous êtes un des anciens sur le terrain. Les anciens, je joue bien au boule. Et notre club avait 45. Vous voyez là, la pluie finit tout ça à la pétanque.
Là, il n'y a que le Zen, ici, nous, là. La pute pétante longtemps, c'est fini, tout ça, là. Notre émission au sport se termine ici à l'Hermitage les Bains, mais juste avant, je vais placer aussi ma petite boule.